Il s'agit ici, chez Montanès et Pacheco, de faire en sorte que l'œuvre prenne vie. De ce point de vue-là, la peinture doit donner les éléments de vérité. On va le voir dans un détail. Voilà, là, vous avez un détail du visage, avec, voyez, le sang qui coule le long du front, qui se prolonge ici sur le torse, et vous voyez la justesse avec laquelle la sculpture est peinte. Cette réalité, elle, encore une fois, c'est la valeur ajoutée de la peinture dans une sculpture qui déjà est hyper réaliste et donc qui ajoute encore à cela. Le Christ dirige son regard vers le bas, c'est une manière de capter l'attention du fidèle, du spectateur, pour instaurer une relation. Là, on est dans l'ordre de l'expression et il faut que la sculpture provoque une émotion religieuse. Le Christ a l'air de passer un message au fidèle qui est placé sous la sculpture. Et ça aussi, c'est très important, cette valeur expressive. Et là, on voit bien, en tout cas dans ce détail, le rôle aussi du peintre. Ce filet de sang qui s'écoule, c'est vraiment l'art du peintre. Les chairs, les carnations, là aussi une valeur ajoutée pour donner une vérité supplémentaire à la sculpture, c'est là aussi l'art du peintre. Alors ce Francesco Pacheco est un peintre, je l'ai dit, qui est le maître de Velázquez, mais qui était aussi un théoricien, donc qui a écrit un art de la peinture assez important, et toute une théorie de l'art qu'on va évoquer petit à petit, où il développe donc déjà ses faire œuvre de peintre savant, pédagogue, et il a été un pédagogue pour Velázquez. Alors je vous montre une de ses œuvres, Francesco Pacheco, le Christ servi par les anges au musée Goya à Castres, donc ici en France, 1616, c'est très tôt. C'est, vous voyez, un peintre qui est encore dans la tradition maniériste, surnommé, de par cette maîtrise, notamment anatomique, le dieu du bois, Dio della Madera, le dieu du bois. Donc c'est vraiment l'artiste qui a marqué, qui a imposé un idéal assez haut, assez élevé pour cette sculpture polychrome. Ça a une relation aussi avec des peintures. Regardez Zurbarán, on reviendra sur Zurbarán, un artiste extrêmement important de l'Espagne du siècle d'or, Tristan Croix, vous voyez, il y a quelque chose qui est lié évidemment à la sculpture polychrome. On refuse le fond, un fond noir uni qui fait ressortir le volume de manière vraiment très puissante, le modelé, c'est-à-dire que la peinture acquiert une valeur sculpturale et on voit la connexion entre les deux arts. Et cette puissance expressive aussi. On n'est pas si loin de Montanès, et vous voyez comment, pour le coup, la sculpture peut être l'art qui exerce une influence. Velázquez aussi. Une œuvre beaucoup moins connue de Velázquez, ce n'est pas celle qu'on montre d'habitude, ce Christ en croix 32 qui est au Prado. Et voilà, il y a les mêmes choses à dire que ce que je viens de dire sur Zurbarán. Une figure qui sort de l'ombre, extrêmement puissante, extrêmement sobre, et là peut-être plus de maîtrise. Évidemment, il y a le génie de Velázquez, regardez le visage, on a l'impression que le corps rayonne, on a quelque chose d'extraordinairement puissant et qui a encore un lien avec cette sculpture polychrome. Voilà, je vous montre les trois comme ça dans une belle image. On est là pour la beauté, donc faut prendre plaisir à tout cela. On a des examens à passer, enfin surtout vous, pas moi, mais moi je corrige. Mais enfin, vous savez, c'est du boulot aussi. Voilà, faut aussi se faire plaisir. Ça résume un peu ce qu'est l'esprit de cette Espagne-là. C'est vraiment un art où la religion est dominante. Alors, on verra, pas uniquement. Il y a des exceptions, on les verra, mais quand même, c'est un art profondément religieux. Quand je parlais de réforme catholique, qui part de Rome, du Concile de Trente, elle va notamment toucher l'Espagne, qui va être
un des lieux de foisonnement de cet art austère, puissant. Alors, un artiste moi, que j'adore, Alonzo Cano, pas très connu non plus, mais qui mériterait de l'être davantage, la tête de Saint-Jean, de Dieu, qui est à Grenade, au Musée des Beaux-Arts, j'ai pu voir il y a quelques années, extraordinaire, hein. Regardez ça, vous avez l'impression d'une tête coupée, on est vraiment là encore dans cette logique d'hyperréalisme. Hein. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que toujours alliance peinture-sculpture, mais cette fois-ci un seul artiste, car Alonzo Cano maîtrisait les deux techniques. Il y a un art total, plutôt, et donc des artistes qui maîtrisent toutes les techniques artistiques. Pensez à Michel-Ange, aussi grand peintre que sculpteur, qu'architecte. On est dans cette tradition-là. Hein, je vous l'ai dit, le lien Renaissance du 17e siècle, il est quand même très étroit. Et Alonzo Cano, aussi grand peintre que sculpteur, et du coup, ça lui permet de faire un visage merveilleusement sculpté, sculpture en bois, et grâce à son talent de peintre, de lui donner vie. Vous voyez, on a l'impression de Pygmalion, on a l'impression que cette tête est vivante. Et quelques détails pour que vous compreniez bien, la chevelure, il y a aussi des mèches qui sont purement peintes, hein, où il n'y a pas du tout de relief, donc qui instaurent une transition entre le relief véritable, sculpté de la chevelure et le front où il a peint ses mèches. Donc transition, vraiment deux arts qui se complètent, qui s'allient, la piété, une dévotion fervente, et la peinture participe. Avec, vous voyez, les joues creusées, une barbe, une moustache à peine esquissée, et le regard, là j'ai dit, c'est des globes de verre peints à l'intérieur, avec des effets de transparence, qui donnent là encore plus de force, de puissance, et qui vont dans le sens de cet hyperréalisme. Donc vous avez vraiment... Alors, pourquoi il n'y a que la tête? Ça, c'est une bonne question. C'est une sculpture qui était plus complète. Là, le but était toujours, dans la sculpture polychrome espagnole, de mettre la figure face à vous. Et donc, il y a le corps qui manque. Alors, le corps n'était pas forcément complet. Souvent, il y avait un squelette et on le vêtait d'habits, hein, de drapés. Hein. Vous avez bien compris ce qu'est cette sculpture polychrome, c'est-à-dire le jeu avec les matières. Et évidemment, comme c'était moins intéressant, plus fragile, ça a disparu. Là. Pour vous montrer quand même une peinture, j'en ai mis une qui a été tout récemment acquise l'année dernière par le musée du Prado, la déesse Junon, qui vous montre que voilà, il y a quand même pas que du religieux en Espagne, même si évidemment le religieux, comme j'ai dit, prédomine. Alors là, je voudrais vous emmener dans le nord de l'Italie, près de Milan, à Varallo. Varallo, très beau, c'est un très beau site, il faut y aller, c'est pas très connu. Hein, quand on visite, quand on est en ce coin-là, on visite plutôt Milan ou d'autres villes autour. Sur ce mont sacré, vous avez un certain nombre de chapelles qui racontent la passion du Christ. Dans chacune de ces chapelles, en voici une toute petite, c'est des petits édifices, comme des petits édicules. Alors ça a été commencé au XVIe siècle. Mais bon, ça s'est prolongé au XVIIe, donc on est aussi en plein dans notre époque, et on va le voir. Vous faites un parcours. Méfiez-vous des moustiques, par contre, l'été, il y a beaucoup de moustiques. J'y suis allé la dernière fois, c'était terrible, j'étais assailli. Mais c'est vraiment, vous êtes dans la nature, c'est un site enchanteur, vous avez vu le paysage. Dans chacune de ces petites chapelles, comme celle que vous avez sous les yeux, il y a une scène de la passion, donc de la passion et de la vie du Christ en général, d'ailleurs. Et ces scènes, c'est de la sculpture polychrome, donc sculpture sur bois, peint là de manière là aussi ultra réaliste. On pense à ce que je vous disais la semaine dernière sur Puget, le sculpteur qui a ramassé la beauté des Goujats, le sculpteur des forçats, le sculpteur de ces physionomies populaires. C'est vraiment ça. Hein. Donc il y a une réalité. Une réalité, on a l'impression, lorsqu'on visite chacune de ces chapelles, à chaque fois, d'être un spectateur parmi d'autres qui assiste à un épisode de la vie et de la passion du Christ en train de se jouer devant nous, côté théâtral aussi, hein, et un côté populaire. On n'est pas loin de l'art populaire, avec des familles d'artistes du coin, de Varallo, donc Giovanni d'Enrico et Melchiorre d'Enrico, c'est des frères,
Giovanni est le sculpteur, Melchior est le peintre, parce que vous voyez, les choses se complètent. Donc là, ils travaillent en famille. Et il y a après encore des fresques. Ah, la star de la famille, c'est Tanzio da Varallo. Donc Antonio d'Enrico. Vous voyez que vous avez un peu ce qu'on a vu déjà dans les cours précédents, c'est-à-dire le Caravage. L'influence du Caravage, ce corps nu qui sort, la musculature, l'observation du modèle vivant, la grande tête de Goliath, le clair-obscur, mais aussi un raffinement un peu maniériste. Vous voyez, on est à mi-chemin entre le maniérisme et la révolution Caravage. Et puis là, c'est Il Morazzone, autre artiste important de l'Italie du Nord du début du XVIIe siècle, qui a fait les peintures. Et là, on voit comment peinture, parce que c'est des peintures donc, sur le mur, mais en trompe-l'œil, qui se complètent avec le relief véritable, évidemment, des sculptures, pour jouer une scène narrative, évidemment, avec, dans certains cas, comme ici, un très grand nombre de personnages. Tout part pour l'architecture religieuse, on reste en revanche dans le contexte religieux, du Gesù. Alors on est plutôt, hein, on n'est pas dans notre période qui nous intéresse, mais on ne peut pas faire l'impasse sur l'église même du Gesù, donc, car c'est le modèle qui va s'imposer pour tout le siècle. Et le modèle, c'est un modèle formel. Vous voyez, donc ça c'est la façade qui a été dessinée par Giacomo della Porta en 1571, la fin du chantier c'est 1584. Et donc le type formel, donc c'est ce qui est important de retenir, c'est une façade à deux niveaux, un second niveau plus étroit mais flanqué de volutes, d'ailerons, ça des ailerons, qui font le lien, qui permettent d'unir premier et second niveau, et tout ça est couronné par un fronton souvent surmonté d'une croix ou d'un motif. Donc ça c'est vraiment le type de la façade jésuite, mais qui va se diffuser bien au-delà de l'ordre des jésuites et qui part du Gesù à Rome. Comment le type du Gesù va être décliné dans toute l'Europe? Parce que l'ordre des jésuites, et au-delà le modèle qu'ils ont donné, va vraiment se diffuser massivement dans toute l'Europe, avec des différences régionales. Et donc c'est ce qui nous intéresse au Portugal par exemple. Ici c'est la cathédrale de Coimbra, qui est l'ancienne église des jésuites. On voit que ça respecte évidemment ce que je vous ai dit au plan formel, un premier niveau, deuxième niveau, les ailerons d'ailleurs qui lient les deux niveaux, et puis alors c'est pas un fronton, là on multiplie les frontons, puis les frontons ont des formes différentes, il y a des frontons brisés, ce sont les types maniéristes notamment dont Michel-Ange a notamment donné les modèles, des statues en amortissement, une présence décorative très forte, nombreuses figures en ronde-bosse, soit dans des niches, soit en amortissement, une logique décorative aussi beaucoup plus présente, avec notamment ici le blason, la variété dans le dessin des frontons. Donc vous voyez un début d'exubérance décorative. Et là, on revient en Italie, et c'est Carlo Maderno, un architecte très important, sur lequel on va revenir, la façade de Sainte-Suzanne. Donc là aussi, oui, c'est au tout début du siècle. Autre dérivé du Gesù, mais vous voyez, là, il y a de l'ornement, quand même. C'est plus classique au sens où le vocabulaire classique est employé vraiment avec maestria, un rythme qui est beaucoup plus fort, une façade qui est plus condensée, qui se déploie moins dans l'espace. Donc là, il y a un peu de retenue, mais néanmoins, il y a aussi une profusion décorative, hein, avec vous voyez, ces niches assez ornées, les statues. Mais il y a surtout un ordre, et c'est ce que Maderno propose de neuf, un ordre très subtil sur, en particulier, le relief. Si vous regardez bien, il faut vraiment regarder ce monument qui est fascinant et qui est très important. Le type formel, on le retrouve, le même, deux niveaux, les ailerons qui les lient, le fronton. Donc on est tout à fait dans le type du Gesù, mais il y a un jeu sur le relief qui s'accentue à mesure qu'on approche de la travée centrale. Vous voyez, hein,
des colonnes jumelées, un fronton vraiment en fort relief, et le relief d'une manière générale et se concentre dans la travée centrale. Produit du coup des jeux d'ombre, on le voit bien ici avec les corniches très saillantes et aussi le fronton sur lequel j'ai insisté, donc un jeu avec l'ombre et la lumière. Là aussi c'est nouveau et le Gesù, vous voyez, était beaucoup plus plat. Et puis une logique aussi scénographique, car si on s'éloigne un peu, on voit que la façade est accostée par des parties plus basses qui vont lui permettre de donner un sentiment de verticalité plus important. Et ça, ces artifices de scénographie, c'est quelque chose qui vraiment appartient au XVIIe siècle, qui fait chanter l'œuvre, qui lui donne plus de force, plus de puissance, plus de verticalité dans ce sens-là, qui met en valeur les matériaux. Vous voyez, c'est de la brique pour les côtés, c'est du marbre, évidemment, pour la façade elle-même. Tout près, hein, juste derrière l'hôtel de ville, donc pas très loin d'ici, il faut aller la voir, se plaque sur une église gothique, donc c'est des églises tout en hauteur, et du coup, très justement, très brillamment, l'architecte Salomon de Brosse en a profité pour faire une superposition des trois ordres. Vous voyez, ce qu'on retrouvait dans toute une série de monuments romains, le Colisée par exemple, dorique, ionique, corinthien, les ordres du plus sobre au plus riche, ça fait partie de tradition classique. Elle est rendue ici en plus avec un respect très là aussi très savant de Salomon de Brosse, c'est-à-dire que les ordres, les proportions des ordres sont rendues avec une grande justesse, une grande fidélité. Cette puissance aussi, par le fait de jumeler les colonnes et d'instaurer ces grandes verticales, vous voyez, il y a les verticales des côtés, les verticales du centre. Pas tant de décors, hein, à part ces groupes sculptés ici, qui viennent donner un équilibre à la façade. Cette verticalité, je l'ai dit, est liée à une église qui est gothique derrière, qui l'est encore, on le devine, hein, mais rigueur dans l'emploi des ordres, et donc tradition classique parfaitement maîtrisée par les artistes aussi français, donc comme Salomon de Brosse. Il restait à finir, et on a d'abord fait appel à Maderne, qui était nommé architecte de Saint-Pierre, 1603, et c'est à partir de 1603 qu'il commence à construire la façade manquait. On a allongé la nef, hein, pour le besoin de la liturgie. Au début, ça devait vraiment être une église à plan centré, c'est le rêve des architectes de la Renaissance, et puis pour le besoin de la liturgie de la réforme catholique notamment, on a allongé la nef, donc on a étiré l'église, et il fallait évidemment une façade imposante, magnifique, pour marquer évidemment le monument, et voilà ce qu'a donné Maderno avec un type qui reprend ce qui existait déjà, c'est-à-dire le principe de l'ordre colossal qui avait été imaginé par Michel-Ange. Alors qu'est-ce que l'ordre colossal? C'est deux ordres imbriqués, un ordre, vous voyez, géant et un second ordre, donc un ordre géant qui embrasse plusieurs niveaux. Et un ordre et d'autres ordres qui se limitent à chacun des niveaux, et vous voyez qu'ils sont beaucoup moins imposants que le premier. Et donc arriver à hiérarchiser en quelque sorte ces ordres et donner une monumentalité par cette ordonnance. Alors ça, c'est ce que Michel-Ange avait déjà proposé pour la croisée du transept, ce que Maderno reprend avec un attique, donc qui permet d'élever un petit peu la façade, et des statues, une balustrade, des statues d'amortissement, on voit le merveilleux dôme, et il y a quand même les dômes qui manquent, les campaniles, clochers si vous voulez, qui venaient normalement, qui devaient venir de chaque côté de la façade, la compléter, la flanquer, et lui donner une harmonie. Il fallait des clochers, des campaniles pour cantonner cette façade pour la rendre plus harmonieuse, mais Maderne n'y est pas arrivé en raison de l'instabilité du terrain. C'est creusé, Rome est creusée de partout, des catacombes à chaque coin de rue. Bernin avait quand même aussi été impliqué sur le chantier très vite. Il a succédé d'ailleurs à Maderno à partir de 1612,
Et il a notamment aménagé les intérieurs. L'intérieur, c'est extraordinaire, c'est une symphonie du marbre, matériau très important. Vous savez, le XVIIe siècle, c'est le siècle du marbre, alors c'est le modèle antique, des marbres de couleur qu'on fait venir de toute l'Europe. Il y a des très beaux marbres italiens, Carrare notamment, c'est le marbre blanc. Pour les marbres de couleur, il faut aller dans le Brabant, en Belgique, ou alors dans les Pyrénées. Les figures, vous voyez ici, sculptées, qui sont placées dans les niches, et on va s'intéresser à celles-ci, qui montrent le Saint-André et le Saint-Longin. Saint-Longin sculpté par Le Bernin, Saint-André par Duquesnoy. Ça nous permet une dernière fois de faire cette comparaison. Vous voyez, où au plan de latitude, de la position des deux figures, c'est assez proche. Hein, il y a les bras étendus, une volonté de faire jaillir l'objet vers le spectateur, de l'impliquer. Mais vous voyez qu'il y a vraiment, toujours, on l'a déjà vu, l'utilisation expressive du drapé chez Le Bernin, et ces drapés enroulés qui viennent donner cette force plastique, alors que Duquesnoy est beaucoup plus fidèle au drapé antique, au drapé plus naturel, et là aussi à l'anatomie. Donc il y a, même si Duquesnoy a aussi sculpté une œuvre dynamique, on le voit, il y a néanmoins toujours la présence du modèle classique qui est très prégnante et qui est les moins chez Bernin, c'est-à-dire Bernin s'en affranchit davantage. Voilà, dans le sens toujours de l'expression, tout parle, hein, tout est expressif chez Le Bernin, le drapé, mais tout le reste, le geste, tout est un peu accentué, il y a un côté théâtral, mais méfiez-vous de ces termes, ils sont souvent pris au sens péjoratif. Là, c'est vraiment une volonté de toucher, de frapper et de raconter. Donc voilà, deux sculptures monumentales qui font 4,50 m chacune. Donc c'est vraiment, là aussi, à l'échelle de la basilique, il fallait du très grand. Ça, on n'imagine pas et on ne peut pas le concevoir sur les images. Il faut y aller pour s'en rendre compte. Quand il reprend le chantier, Bernin, il se pose évidemment la question. Ces artistes sont perfectionnistes. Il veut, c'est pour lui extraordinaire de diriger le chantier de Saint-Pierre. Et ce qu'il imagine, c'est carrément, vous voyez, d'interrompre la façade. C'est très ambitieux. Donc en fait, il reprend, pas complètement, mais presque, en grande partie, on va dire, la façade imaginée par Maderno, pour qu'elle vienne envelopper de nouveaux campaniles très ajourés. Vous voyez, avec ces arches qui font que ça pèse moins. Et donc du coup, Bernin pensait que ça tiendrait. Et donc voilà ce à quoi Saint-Pierre, et du coup on voyait peut-être encore mieux la coupole, c'est séduisant, hein, c'est un génie, hein, vous l'avez bien compris, on l'a vu longuement, Bernin, il y a une capacité d'imagination chez lui qui est proprement effarante. Alors il reste qu'il a commencé à édifier un des campaniles et de nouveau il y a eu des problèmes structurels, des fissures, etc. Donc on l'a abattu et ce problème des campaniles a été résolu différemment, on va le voir dans un instant. En tout cas les campaniles n'ont pas été bâties. Voilà comment il a été résolu, par le jeu de la perspective. Et ça c'est aussi quelque chose d'extrêmement important à comprendre, le jeu du rapport des formes, du rapport des volumes. Cette façade étant trop horizontale, comment tempérer cette horizontalité ? Eh bien, en construisant quelque chose d'encore plus horizontal, de plus bas, juste à côté. C'est la colonnade. Et cette colonnade, vous voyez, par son extraordinaire déroulement sur l'horizontale, par évidemment la différence de niveau, mais ça reste là aussi absolument monumental. Les statues là qui surplombent sont des géants, mais tout est géant à Saint-Pierre. Mais néanmoins, le jeu des volumes fait que, vous voyez, elle n'a pas l'air si horizontale, ça rattrape en quelque sorte par le jeu optique. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose, c'était une logique scénographique, ça appartient aussi au XVIIe siècle, et l'un des grands maîtres, pas le seul, hein, loin de là, mais néanmoins, l'un des grands maîtres est le Bernin. Donc c'est vraiment un tour de force, quoi. Imaginez ce chantier extraordinaire, alors qui date du pape suivant. Donc on a eu les papes Urbain VIII, Innocent X, maintenant c'est le pape Alexandre VII, donc qui devient pape en 1656, qui va lancer ce gigantesque chantier qui va prendre, vous voyez, des années, des décennies à être accompli. Et c'est l'un évidemment des chefs-d'œuvre du Bernin. Je vous montre une autre vue d'en haut.
qui vous montre aussi, alors l'ovale, j'ai insisté et je vais y insister de nouveau sur l'ovale comme forme de prédilection du Bernin et une forme très baroque, voyez, parce que c'est une forme dynamique, hein, beaucoup moins stable, beaucoup moins symétrique que le cercle, et aussi ça a une valeur humaine, et ça on est dans la tradition de Vitruve, que reprennent tous les architectes du XVIIe siècle, c'est-à-dire l'architecture est liée à la figure humaine. C'est une chose qu'on a vraiment oubliée aujourd'hui, mais pour qu'une architecture soit belle pour nous, pour notre œil, il faut qu'elle réponde en quelque sorte à ce que nous sommes. Bernin disait lui-même que les deux côtés de la colonnade, c'est les bras, voyez, accueillants, ouverts de l'église pour accueillir les fidèles. Donc vous voyez, la tête de Saint-Pierre, c'est la coupole, le corps, la nef, et puis il y a les bras qui viennent accueillir, et le fidèle qui vient dans l'axe et qui rencontre l'obélisque édifié par Sixte Quint, et les deux fontaines, Maderno et Bernin en symétrie. Donc tout cela est ordonné, mais a une vitalité. Ce n'est pas une architecture complètement abstraite, complètement déconnectée de la réalité humaine, du regard humain, de l'esprit humain. Ça, c'est aussi très important à retenir pour le XVIIe siècle. Alors le concurrent, le grand concurrent de Bernin, c'est Borromini. Borromini, artiste capital, il vient du nord de l'Italie. On a vu Bernin venait du sud, mais il y a le nord d'Italie, vous allez le voir, est très prolifique. Hein, énormément de grands noms. On a vu Caravage, on a vu les Caravage près de Milan, les Caravage Bologne, toute cette école d'ailleurs de Bologne, avec d'autres artistes comme Dominicain, etc. Enfin, ils sont nombreux, Guerchin. Et Borromini vient aussi du nord. Il va travailler sous l'autorité du Bernin, notamment à Saint-Pierre, sur le immense chantier. Il y avait évidemment, quand les papes, ça c'est ce qui est extraordinaire, quand vous lancez des chantiers de cette ampleur, et vous employez tous les artistes disponibles, et puis d'autres doivent se former, acquièrent une vocation artistique, et c'est-à-dire, voilà, les arts fleurissent. Et vraiment, les arts fleurissaient dans la Rome des papes, dans la Rome du XVIIe siècle. Alors, Borromini, vous voyez, par rapport à Bernin, c'est une architecture beaucoup plus audacieuse. Alors, c'est un peu, prétentieux peut-être de dire, parce que Bernin est quand même le modèle de l'audace, en sculpture, mais aussi en architecture. Mais comme je l'avais déjà dit lors d'un cours précédent, il reste plus sobre en architecture qu'en sculpture, Bernin. Et ce n'est pas le cas de Borromini. Donc notamment, il introduit, ça vous le voyez immédiatement, d'instinct, c'est le mouvement. L'architecture, c'est quelque chose qui, a priori, est stable. Et là, vous voyez que cette façade, elle bouge, elle ondule. Et alors, c'est un petit format, il n'avait pas la renommée du Bernin, il n'avait pas les commandes des papes, les commandes aussi importantes que le Bernin, mais c'est lors des Trinitaires, et ils ont un petit espace dans un lieu très beau, hein, au cœur de Rome, et ils commandent l'église et la façade. La façade d'ailleurs est réalisée dans un second temps, alors on va le voir. D'abord l'intérieur, parce qu'on va être chronologique. L'intérieur, vous voyez, là aussi c'est mouvant. Il y a une couleur blanche uniforme, et puis des continuités avec quelques discontinuités, avec une imbrication et quelque chose qui a presque un aspect organique. Lorsqu'on entre dans cet espace, c'est un petit espace mais extraordinairement séduisant et frappant, on a l'impression que tout bouge à l'intérieur. Alors, il y a le modèle classique, la tradition classique, avec, voyez, les chapiteaux, des ordres, mais il y a des choses qui s'affranchissent un peu du classicisme dans le domaine décoratif. Regardez par exemple la manière dont sont ornées les niches. Hein, ce n'est pas vraiment un modèle classique qu'on identifie. Il y a aussi ces ruptures dans l'entablement qui permettent là de
de donner un dynamisme ou un mouvement particulier, continu puis brusquement interrompu. Et ça, c'est vraiment, ça n'appartient qu'à Borromini. C'est une originalité qui a frappé les esprits, qui a séduit, mais qui a aussi décontenancé, qui a aussi été critiqué. Je vous montre la coupole, enfin, la coupole. Vous le voyez, là aussi, très inventif. Hein. Ce n'est pas quelque chose de simple. C'est une sorte de pavage géométrique avec une imbrication de formes géométriques différentes et décroissantes, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus petites à mesure qu'on s'approche du lanternon, donc qui accélère l'élévation verticale et qui donne là encore une impression de mouvement, mais de mouvement un peu étrange, un peu qui déstabilise. Voilà l'invention, le talent de Borromini et sa manière vraiment d'innover. Je l'ai dit, l'innovation est souvent contrôlée au XVIIe. On prend un modèle reconnu et on lui donne une nuance nouvelle. Il n'y a pas besoin de partir. C'est pas la table rase au XVIIe. Hein. C'est vraiment on s'inspire de quelque chose auquel on donne une résonance nouvelle, mais Borromini est celui sans doute parmi en tout cas les architectes qui va le plus loin dans l'innovation. Alors la façade, là aussi une façade, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit mouvementée, et là elle l'est, on voit cet entablement qui est très puissant, qui sépare les deux niveaux, hein, il est clairement séparé entre deux niveaux, et le mouvement part de là. On a les grandes colonnes. On a là aussi une richesse décorative, vous voyez, beaucoup de figures. On a le jeu sur le convexe et le concave, et ici quelque chose de convexe, une niche assez imposante, et qui va contraster avec la concavité, par exemple, une cartouche qui est vide, et des différences, des contrastes entre un premier niveau, vous voyez, qui est moins orné, un second niveau moins orné, un premier qui l'est beaucoup plus. Donc vraiment un jeu sur symétrie, dissymétrie, mouvement, convexité, concavité, beaucoup d'inventions et regardez la corniche du second niveau, là aussi tout à fait étonnante avec toujours cette logique de discontinuité, d'arrêt, de mouvement interrompu. On a, et puis la figure humaine quand même, hein, on n'échappe pas à la figure humaine, les anges qui soutiennent le grand cartouche, et puis ces figures de saints, on a quelque chose qu'on n'a pas vu. Hein. Donc ce type de façade, Borromini est le premier à en proposer, alors ça fait débat, certains sont séduits, les trinitaires étaient quand même assez contents, et aujourd'hui c'est un joyau, hein, c'est un des petits joyaux de Rome qu'il ne faut pas manquer. D'autres ont critiqué, ont dit ils ne respectent pas la tradition classique, les leçons de Vitruve et les modèles, grands modèles de la Renaissance. Donc voilà un débat sur ce que doit être l'architecture. Il reste que ces nouveautés vont toucher bien des artistes, hein. Notamment par exemple Pierre de Cortone, qui est un, vous le savez, aussi un peintre, on l'a vu, mais qui est aussi architecte et qui va reconstruire l'église qui est juste à côté du Forum et qui était l'église notamment de la Corporation des peintres. Et Saint-Luc, Sainte-Martine, on trouve d'ailleurs les restes, les reliques de Sainte-Martine, et donc du coup ça attire l'intérêt, ça permet d'avoir des financements, et donc la commande à Pierre de Cortone pour reconstruire, et vous voyez que sa façade elle est aussi très dynamique. Là c'est plus une logique de tension, de force contenue, on a l'impression que vous voyez les côtés très, très imposants pèsent, exerce une pression sur le centre qui du coup se bombe sous l'effet de cette force, un jeu de force qui s'oppose, qui donne là aussi un aspect dynamique à la façade. Pas une logique, on va dire, sinueuse, en vague, comme chez Borromini, plutôt une tension, une force qui résulte de cette tension, avec néanmoins la logique toujours issue du Gesù, avec deux ordres superposés, un petit fronton, des colonnes. Colonne qui se transforme en pilastre, donc on voit qu'il y a aussi un jeu sur un volume plus important pour le premier niveau et moins important au second, une insistance sur le centre,
voyez, là, il y a des pilastres au second niveau sur les côtés et des colonnes engagées dans le centre, un fronton assez saillant. Donc, vous voyez, une architecture très subtile avec les règles classiques qu'on se permet d'interpréter assez librement. Regardez les proportions des colonnes, qui sont assez déformées, très, très allongées au premier niveau. Et donc, un aspect aussi plastique, c'est un peintre, hein, avec logique décorative, avec donc ce dessin, la moulération de l'entablement, elle est vraiment très finement exécutée. Là, un petit bijou aussi de façade, avec une exubérance décorative pour le fronton et le blason. Les pots à feu en encorbellement, parce que les verticales sont très puissantes sur les côtés. Vraiment une église à commenter, à apprécier, il faut s'arrêter devant, méditer, se laisser prendre sous le charme de cette logique harmonique et picturale aussi, hein. Encore une fois, une architecture de peintre. Et à l'intérieur, on a cette même logique, avec vraiment des formes qui s'entrepénètrent. Une polychromie, vous voyez, c'est uniformément blanc chez Borromini ici. C'est plus coloré, ça fait ressortir certains éléments, éléments structurels notamment, hein, les nervures, les colonnes, polychromiques se concentrent sur certains endroits. Hein. Là aussi, tout ça, c'est plutôt cette tradition baroque qui est de jouer des contrastes, d'exploiter la couleur, pas la couleur n'importe où, n'importe comment, à certains endroits clés, l'autel. Et si on regarde la coupole, on voit que là aussi, il y a quelque chose de mouvement. Hein, on a cette logique de compartiments qui ont l'impression qu'ils bougent et qu'ils passent derrière les nervures. Donc il y a vraiment deux ordres, un ordre plus rigide et un ordre plus mouvement qui se superposent. Et donc là aussi, un aspect pictural et dynamique dans la conception par Pierre de Courtonne. Bernin, son église préférée, il le dit lui-même, son fils qui le rapporte, c'était Saint-André du Quirinal. Alors, c'est très intéressant parce qu'elle est tout près de Sant'Arlino de Borromini, qu'on vient de voir. Il y a 100 mètres ou 200 mètres entre les deux églises, c'est la même rue. Et donc on peut, quand on y est, c'est facile de passer de l'une à l'autre, et on peut voir la différence entre les harmonies de Borromini et celles de Bernin. Bernin, vous voyez, presque plus classique, hein, on dit c'est un artiste baroque, hein, vous voyez, c'est pour ça, hein, que j'ai insisté depuis le début sur ces termes que vous pouvez tout à fait utiliser, mais il faut les utiliser à bon escient, voilà. Il faut les justifier, et les artistes peuvent mêler ou alterner les deux styles. Alors classique parce que, vous voyez, très ordonné, un fronton très sobre, hein, qui joue vraiment que du volume. Là aussi, ce qui est très sobre, c'est les pilastres qui cantonnent l'entrée, marquée. En revanche, il y a quand même un mouvement, une projection vers l'avant, parce que vous voyez, ça s'est incurvé. Hein. L'entablement, il est incurvé, il se projette vers le spectateur, comme pour l'inviter à entrer. De même que, vous voyez, les marches, qui là aussi se projette vers l'avant et donne un peu de mouvement. Il y a aussi la richesse du fronton et du blason, pardon. Et donc on a quelque chose qui allie certains éléments plus libres, plus ornés, et puis une structure globale qui est quand même très soigneusement pensée et très classique. Quand on entre, on est immédiatement face à l'autel, car la forme de l'église est ovale, et toujours c'est la logique de l'ovale transversal. Donc l'ovale, je vous l'ai dit, est une forme plus dynamique que le cercle, et si vous, en plan d'église, choisissiez une ovale transversale, l'intérêt c'est aussi que, dès l'entrée, vous avez l'autel sous les yeux. Il est très proche, hein. C'est la distance la plus courte. Et c'est ce qui se passe, et il a joué de cela évidemment, Bernin à Saint-André du Quirinal, et on a là une profusion décorative, vous voyez, ça on l'a déjà vu, les gloires dorées, le tableau du Bourguignon, martyr de Saint-André. Saint-André est crucifié sur la croix dans le tableau et prend son envol en passant à l'intérieur du fronton en stuc, au relief. Extraordinaire, là aussi c'est
vraiment la contre-réforme. Hein. La mort du saint, le martyr, se prolonge par une ascension, en tout cas un ravissement vers le ciel, vers les sphères divines. Et c'est donc narratif, dynamique, et une belle invention. La figure peinte se transforme en une figure sculptée qui s'élance vers la coupole. Et puis les marbres polychromes, et le jeu des couleurs. Donc là aussi, on est dans cette invention berlinesque qui était sans repos, qui était foisonnante. Et la coupole elle-même, vous voyez, a ses figures en équilibre précaire, hein, déséquilibre, équilibre, jeu de cela. On retrouve la figure, vous voyez, qui le fronton est interrompu pour laisser passer le saint qui s'élance vers le lanternon plus éclairé, avec cette nuée de têtes d'angelots qui l'encadre. Et puis beaucoup de becs qui viennent donner de la lumière. La coupole doit être très éclairée pour donner une idée du divin. Donc on a vraiment une composition totale où tout est pensé pour faire l'impression la plus forte, la plus originale, la plus dynamique. Donc c'est une église qui émane, une petite église, petit format, mais apparemment Bernin là avait pour une fois, c'est rare pour les artistes, mais était satisfait de ce qu'il avait réussi à créer. Alors Borromini, hein, on voit pas qu'une seule œuvre de Borromini, on voit aussi la chapelle Saint-Yves de la Sapience, merveille absolue, le cloître de la Porta, et puis donc, au centre de l'image, la chapelle de Borromini, et vous voyez comment elle vient compléter les arcades. Et déjà, l'originalité des formes, on va y revenir hein, pour l'extérieur, mais on va d'abord voir l'intérieur, donc un chantier des années 1640. Borromini, lui, avait plus de succès avec le pape Innocent X dans les années 40, donc il avait du travail à ce moment-là. Voilà aussi, et ça c'est important à dire pour Borromini, la structure sous-jacente. C'est une structure géométrique et très rigoureuse. Ça a l'air mouvant, ça a l'air vivant, ça a l'air presque organique, et pourtant l'ossature est purement géométrique. Vous voyez, deux triangles voilà, qui s'imbriquent, un cercle qui vient compléter, donc vraiment un jeu de géométrie pure qui vient ordonner la coupole. Ça, c'est aussi un caractère de Borromini qu'on va retrouver chez des émules. Il a fait quand même quelques émules. Il y a des artistes qui ont été marqués par son art et qui ont se sont inspirés de Borromini, ont continué en renouvelant ses inventions. On va le voir avec Guarini notamment, Guarino Guarini. Voilà l'image extraordinaire, hein, tellement belle de cette coupole. Avec, je parlais il y a quelques instants d'un vocabulaire ornemental nouveau, donc qui n'est pas uniquement les formes classiques reconnues, vous voyez, avec ces étoiles, la logique héraldique aussi, qui évoque le commanditaire, vous voyez, les mitres, et les étoiles, on les retrouve au centre, hein, sur le lanternon, aussi les figures d'angelots, tête d'angelots, il y a juste la tête et les ailes, et donc, on voit comment la structure s'organise avec ses nervures. Il y a une idée aussi de mettre l'accent sur les puissances structurelles. C'est la logique du gothique, finalement, qu'on retrouve chez des artistes comme Borromini, on va le voir, Guarini. Et donc, voilà, on sort en quelque sorte pour certaines choses du classicisme au profit de nouvelles types de décor et d'ordonnance de l'architecture, avec des traits marquants de l'art de Borromini. Vous voyez le jeu du concave et du convexe, ces formes qui s'enchaînent, mais qui comprennent des arêtes. Vous voyez, tout ça, c'est vraiment très facile à reconnaître, une architecture de Borromini, très originale toujours. Côté blanc, parce qu'il aime bien cette continuité, permet là aussi le mouvement, vous voyez, entre les colonnes cannelées qui viennent se prolonger sur la coupole, le jeu avec la lumière, c'est général, mais Borromini en tire aussi vraiment parti pour
donner un éclairage particulier à la coupole. Et voilà, rapidement, les côtés avec ces colonnes cannelées, l'ordre est respecté. Hein. C'est vraiment des déclinaisons des différents ordres antiques et la manière dont ils structurent l'espace avec les niches, avec là aussi cette blancheur uniforme. Et l'extérieur, on a là encore quelque chose de très original, puisqu'on a une toiture à gradins avec là aussi une sorte de contrefort, hein, encore cette inspiration gothique, je dirais, pour bien buter, pour bien soutenir le lanternon. Il prévoit ses contreforts, et puis qui sont surmontés de ces motifs, avec un lanternon qui est composé de ce premier niveau, avec des colonnes jumelées, donc la puissance, la verticalité, mais surtout une pièce, c'est-à-dire qui est monolithe, c'est un seul morceau de marbre qui se constitue et taillé en cylindre, en volute, et donc qui se déroule vers le haut et se termine par une flamme de, évidemment de l'intellect, puisque c'est l'université, hein. La Sapience, c'est l'université de la Sapience à Rome, et donc c'est le travail, tout le travail intellectuel. Tout le travail savant. Donc il y a aussi encore une corde à l'arc de Borromini, l'aspect symbolique de l'architecture. Il n'y a pas que un jeu de forme. C'est pas, vous voyez, on voit qu'il y a une invention formelle, vous l'avez bien compris, très originale, mais il y a aussi une symbolique. Au XVIIe siècle, vraiment, on n'y échappe vraiment jamais. Un sens, et là, par exemple, cette flamme en rencontre, on verra d'autres exemples. Gradin, si c'est intéressant, c'est ce que va reprendre Guarini, on va le voir. On revient sur le Bernin pour vous montrer un Bernin à, comment dire, au paroxysme du classicisme. L'église d'Ariccia, mais pas un monument très connu du Bernin, et pourtant très beau, pas connu parce que voilà, on l'associe tellement. Vous voyez qu'on met les gens dans des cases, les artistes dans des cases, après on n'arrive plus à regarder. Or, c'est vraiment un des très beau monument du Bernin, mais ultra classique. Sa part, vous voyez, vous reconnaissez les formes de base du Panthéon. Un cylindre, forme géométrique, surmonté d'une sphère, hémisphère, et puis inséré là-dedans le fronton avec les colonnes. Colonnes pour le Panthéon, ici arcade. Donc il y a des variations, évidemment, il ne reprend pas le modèle à l'identique. Il y a un lanternon aussi, qui est puissant, qu'on n'a pas au Panthéon. Donc des variations, mais fondamentalement, il part du modèle le plus classique qui existe, et le plus marquant. Et il y a quand même la scénographie. Alors là, on n'y échappe pas, avec ces parties plus basses, qui là aussi, comme ce qu'on a vu à la colonnade de Saint-Pierre, contribue à donner un peu plus d'élévation. C'est une église assez modeste, riche, qui est en face du palais. Il fallait accentuer un peu optiquement, le jeu optique, sa verticalité, et c'est ce à quoi servent ces bâtiments-là. On va voir une vue où c'est plus clair, vous voyez. Ces bâtiments sont plus bas et surtout introduisent un mouvement qui va envelopper l'église elle-même. Donc, jeu scénographique et jeu optique. Alors, tout est pensé, tout est équilibré. Bernin classique. Alors là, cette fois, on quitte le classicisme pour retrouver un épigone de Borromini, qui est donc Guarino Guarini, que j'évoquais, la chapelle du Saint-Suaire à Turin. Le linge miraculeux, on a décidé, les ducs de Savoie, de lui donner un écrin qui rendait compte de son importance pour le culte. Et le Guarini, qui va arriver dans un second temps d'ailleurs sur le chantier, va proposer dans l'esprit de Borromini une architecture extraordinairement originale, très symbolique. Donc ça, il reprend finalement l'importance symbolique de l'architecture que je vous ai cité
chez Borromini, puisque ça fonctionne sur le principe du chiffre 3. Le 3, c'est le chiffre divin par excellence, le chiffre de la Trinité. Et donc, on a une succession, vous voyez, de colonnes qui sont réunies par 3, et on a 3 côtés, vous voyez, d'un triangle qui vient joindre les côtés, enfin, les points forts de une coupole, c'est fondamentalement une coupole qui va être élevée, très très impressionnante. Vous voyez, là, on parlait de jeu optique chez Borromini, on a la même chose, d'une manière peut-être plus impressionnante encore chez Guarini, avec ces successions de petites arches qui vont diminuant. Donc là aussi, pour donner l'idée de la hauteur, hein, du côté ascensionnel de l'architecture, on a l'impression aussi de, comme c'est des arcs qui servent à buter, à soutenir la coupole, de principe structurel gothique, bon, on peut le dire, fondamentalement, l'idée est de décontenancer et de raffiner sur la symbolique du 3, car on a toute une série de multiples du 3 dans les différents éléments de cette coupole. Par exemple, on a 6 baies, donc 2 fois 3. On a, vous voyez, les 3 côtés qu'on retrouve ici, avec des pendentifs qui, normalement, vous voyez, là aussi, c'est comme chez Borromini, une manière de surprendre en transformant la normalité d'une logique structurelle, la normalité, la logique, si vous voulez, d'une structure de coupole, c'est un plan carré qui donne donc un plan circulaire, celui de la coupole, plan carré de la croisée du transept, qui donc sert de support à une coupole, elle, de plan circulaire, et les pendentifs, donc ce qu'on voit là, normalement, servent à faire le lien. Or là, il n'y a pas de sens, puisque la chapelle elle-même est de plan circulaire. La coupole l'est, donc il n'y a pas besoin de pendentif. Et s'il en crée, artificiellement, c'est de nouveau pour insister sur la symbolique du 3, et aussi donner une forme originale, une forme inattendue à la structure. Vous voyez aussi la logique de pavage, un peu qu'on avait chez Borromini. Voilà les innovations, voilà les architectes Borromini, Guarini qui innovent, qui vont proposer des formes nouvelles, qui sont inscrits, enracinés dans la tradition classique, car ils le sont tous, ces artistes, mais qui vont se permettre davantage de licences que même le Bernin. Voilà l'extérieur, vous voyez, on avait vu l'extérieur de Saint-Yves. Ici, c'est pareil, c'est tout à fait étonnant, avec de nouveau ces arcs. Le mouvement important, on l'a vu chez Borromini, on le retrouve ici avec cette continuité, ces vagues qui viennent surmonter les grandes baies, l'architecture en briques, le jeu des matériaux, et puis les lancements, avec là aussi des formes décoratives assez originales, toute une série de vases en amortissement. Vraiment, c'est des formes inouïes, hein. Il y a vraiment quelque chose de parfaitement original que propose Guarini. J'en ai mis une autre vue. Alors là, on va monter un petit peu dans le nord de l'Italie, puis on va ensuite quitter l'Italie pour le centre de l'Europe. Et Venise d'abord Venise. Toujours plaisir, je vous ai dit qu'on verrait quelques beaux lieux aujourd'hui. Un des lieux d'ailleurs les plus beaux de Venise, un lieu privilégié, la Punta della Dogana, vous voyez, on est exactement ici, c'est vraiment, alors il y a la place Saint-Marc, hein, évidemment, qui est là, mais on est quand même dans un lieu extraordinaire à Venise, un lieu privilégié où Langen va bâtir donc l'église Santa Maria della Salute, 34-87, la raison c'est une peste. Et faut savoir que l'Europe du XVIIe est frappée régulièrement par des pestes majeures, et du coup il y a des œuvres ou monuments votifs qui sont faits pour remercier le ciel d'avoir bien voulu mettre fin aux pestes, hein, c'est ainsi qu'on voyait les choses. Évidemment on ne voit plus ça comme ça aujourd'hui, maintenant c'est les masques et les passes sanitaires, enfin... Et à l'époque, bon, on pensait que l'intervention divine suffirait.
Et donc c'est une église votive. Une église votive. Et du coup, il y a déjà la scénographie, elle est naturelle de par l'emplacement. On va voir qu'elle est aussi par l'emmarchement. Vous voyez, l'église est vraiment, le monument est mis en valeur par les volets de marche qui y mènent, donc comme une sorte de piédestal. Hein, vous voyez, ça, c'est vraiment de la scénographie. Et puis, il a aussi cet aspect scénographique très imposant, avec une logique palladienne, car Longhen, c'est Venise, et à Venise, le grand nom, c'est Palladio. Ça, vous avez certainement vu l'année dernière, grand maître du classicisme, grand maître de l'architecture, l'un des plus grands dans l'absolu. Et évidemment, Longhen est habité par l'art, par le génie de Palladio, et donc il reprend des éléments comme, vous voyez, ce côté un peu triomphal de la façade, le fronton, les colonnes, la grande arche centrale, des niches sur les côtés, fenêtres aussi thermales que Palladio aimait bien employer, vous voyez, cette forme-là, reprise des thermes antiques, donc d'où le nom de fenêtres thermales, parce qu'évidemment Palladio avait extraordinairement étudié l'antique et a repris certains motifs, repris de nouveau par Palladio, mais la logique baroque, c'est le mouvement avec une sorte de volute surdimensionnée qui viennent là aussi. En plus, elles sont surmontées de statues, donc ça donne une profusion, une exubérance décorative qu'on n'avait pas à ce point chez Palladio. Donc c'est l'originalité aussi de Longhen. Et puis ce grand dôme, le dôme, vous avez compris, je pense que le dôme est l'un des éléments forts de cet art du XVIIe siècle. On veut des dômes majestueux, c'est un des éléments pour la peinture, pour le décor des coupoles, mais aussi pour les dômes eux-mêmes comme pièces architecturales, merveilleux dôme, avec un lanternon aussi très, très imposant, et du coup on a une structure vraiment très belle, très forte, très monumentale, palladienne, mais palladienne tirée vers le baroque un peu romain, en tout cas une forme de baroque original qui est celui de Longhen et celui de Venise. Et puis, le plan lui-même, vous le voyez, normalement, on a un peu renoncé au plan centré. Or, selon la logique du XVIe siècle, on aimait ces plans centrés parfaitement symétriques, et il a partiellement respecté cela, Longhen, mais pas tout à fait, puisque le cœur, vous voyez, il se prolonge dans... il est là. Vous voyez, et donc on a l'impression que c'est deux parties greffées l'une sur l'autre. Donc, ça manque d'unité, mais ça permet de répondre aux besoins de la liturgie, c'est-à-dire l'intérêt d'avoir une nef très longue, c'est là aussi la procession et la logique liturgique de la réforme catholique. Hein, et donc voilà, quelque chose de pour le coup, original. Une solution originale, avec, vous voyez ici, hein, la scénographie des marches, hein, ce piédestal de l'église, on y revient, un monument qui va marquer, va constituer un élément à retenir de transition, je dirais, entre le foyer créateur de l'architecture, notamment religieuse, en Europe, qui est vraiment Rome, hein, les figures du Bernin, Borromini, Cortone, il y en a d'autres, Maderno, on a cité, ça se diffuse dans toute l'Europe, et Venise est une étape, donc reprend certains éléments romains, mais à sa tradition propre, qui est plus classique. Et ça, on le verra avec le nord de l'Europe, qu'on va y aboutir sera le cours prochain, il y a une tradition classique dans les provinces unies, en Angleterre, en France aussi. Pensez à Versailles, ça sera pour la toute fin des cours. Venise au XVIIe est un juste milieu, si je puis dire, entre tout cela. À l'intérieur, on a aussi cette inspiration palladienne de marquer par des jeux de couleurs les lignes de force. Ça, Palladio aime bien faire ça. Vous voyez, donc il y a un coloris plus brun, orientablement les colonnes, et puis un coloris blanc, ce qui permet vraiment de mettre en valeur la structure de l'intérieur de l'église. Alors voilà, j'ai dit qu'on allait voyager un petit peu, donc on va un peu à Prague,
merveilleuse cité. Et à Prague, il y a une heure de gloire, il y a Rodolphe II, l'autre empereur, Ferdinand II, aime aussi beaucoup cette cité. C'est la guerre de 30 ans, période troublée, vous savez, cette guerre qui a quand même ravagé le centre de l'Europe. Là, on est en guerre, malheureusement, de nouveau aujourd'hui, au centre de l'Europe, un peu plus à l'est. Mais sachez, hein, j'ai dit, hein, je le répète de temps en temps pour que vous compreniez bien, mais on ne peut pas faire abstraction de la trame historique. Il faut avoir les notions principales. Donc c'est le Saint-Empire, c'est les Habsbourg, c'est une guerre qui est une guerre de religion avec des puissances protestantes, les princes allemands, Gustave Adolphe qui est le souverain de Suède, qui est un souverain guerrier, un roi de guerre, qui est protestant lui aussi, et du coup des chefs de guerre. Et Wallenstein, Albrecht von Wallenstein est l'un des plus grands chefs de guerre qui va s'opposer à notamment Gustave Adolphe, qui lui, je l'ai dit, était un roi guerrier, mais un extraordinaire aussi général. Et Wallenstein acquiert une puissance, et une puissance qui doit s'exprimer par l'architecture, hein, ce lien entre. On considérait que la gloire à laquelle vise tous les princes, et y compris les généraux, se concrétisent par les arts et notamment l'architecture, d'où ça on a un peu oublié, mais voilà, ils veulent s'immortaliser, et donc ils construisent, ils bâtissent, ils édifient. Les princes, là va sans dire, mais aussi donc les grands chefs de guerre, et Wallenstein va construire un palais gigantesque au cœur de Prague, il détruit un quartier entier, une briqueterie, pour avoir la place pour installer son palais. C'est le quartier de Hradčany à Prague, quartier aussi voisin de la Malostrana où était la colonie italienne. Donc c'est vraiment des artistes italiens qui vont réaliser ce décor. C'est ce que je disais il y a un instant, c'est vraiment ce rayonnement d'Italie sur toute l'Europe. Les savoir-faire italiens vont se diffuser dans toute l'Europe, centre de l'Europe, nord de l'Europe, jusqu'à l'Est, et en France aussi, avant que la France prenne le relais artistique dans le dernier tiers du siècle. La France va devenir, notamment avec Versailles, le modèle, mais jusque la moitié, même plutôt, je dirais, le deuxième tiers du XVIIe siècle, c'est vraiment l'Italie d'où provient l'impulsion créatrice artistique. Et donc là, toute une série d'artistes italiens, et donc pour le palais, Sebregondi et Andrea Spezza. Donc vous voyez ces années, les grandes années de grandes victoires de ce chef de guerre, Wallenstein, les années 1620, avec un palais qui est très irrégulier, mais un jardin classique d'ailleurs, qui annonce en quelque sorte le jardin classique à la française de Versailles. Quelques éléments forts, notamment vous voyez cette loggia avec ses trois arches, très puissante, un édifice construit par Andrea Spezza et qui ouvre, vous voyez, sur l'allée des statues, les statues d'Adrien de Vries, qui était le sculpteur préféré de Rodolphe II et ensuite de Ferdinand II de Habsbourg. Vous voyez la beauté de ce jardin, la puissance de cette loggia avec ses trois colonnes, toutes ces trois arcades supportées par des colonnes géminées, quelque chose de puissant. Vous voyez, qui doit donner une idée de la puissance, de la force, de la gloire du chef de guerre Wallenstein. Et d'ailleurs, il va reprendre ce modèle et il va reconstruire ce type de cette loggia à différents endroits des terres du Saint-Empire, et notamment ce qui est la République tchèque aujourd'hui, à Jičín notamment. Et on a le même édifice qui est isolé cette fois. Je crois que je n'ai pas mis l'image, mais vous me croirez sur parole. Et quant au jardin lui-même, plutôt sur les qui est, je l'ai dit, relativement classique, on est là aussi dans la transition entre le jardin maniériste et le jardin classique, il y a quand même ces lignes, ces perspectives qu'on reverra évidemment avec Versailles, avec le nôtre, avec Vaux, et puis les sculptures qui animent. Un jardin classique, c'est un jardin sur des perspectives, une nature domestiquée, une nature ordonnée, mais peuplée de sculptures. Et ces sculptures, c'est l'art d'Adrien de Vries, qui lui aussi est un sculpteur qui fait la transition entre le maniérisme, entre Gian Bologna et puis les grands sculpteurs du XVIIe siècle. On en a vu beaucoup, Bernin, tout ça.
Et alors, ce que vous voyez sur l'image, c'est des copies, car lors de la guerre de 30 ans, les Suédois ont mis à sac Prague et ont emporté les originaux et les ont apportés au château de Drottningholm, vous savez, qui est le Versailles suédois. Hein, Versailles, je l'ai dit, ça sera pour les dernières séances, a rayonné dans toute l'Europe. Le modèle versaillais, hein, c'est le moment où la France devient le modèle à suivre. Et donc, ils ont longtemps, ces sculptures étaient réparties dans les jardins de Drottningholm. Et là, tout récemment, ils ont, nos amis suédois, ils ne veulent pas les rendre. Hein, voyez, après, c'est des vrais débats. Hein. Là, je profite d'une petite incise pour dire, parce que c'est dans l'air du temps, il faut rendre les sculptures ou les œuvres d'art en général, parce qu'il y a la colonisation, les a prises dans des conditions où penser ou d'autres cas, les marbres du Panthéon. La Grèce à ce moment-là était sous domination ottomane et Lord Elgin s'est permis de tout prendre, de même de dynamiter partiellement, etc. Donc c'est des vrais débats. Là c'est la même chose, hein. C'est au cours d'une guerre, comme une grande guerre, l'armée suédoise envahit Prague et emporte les sculptures. On pourrait se dire qu'il pourra les rendre, alors ils ne le veulent pas. Et du coup ils ont fait un musée dans les écuries de Drottningholm, l'écurie du vieux dragon, où les sculptures qui ornaient le jardin du palais de Wallenstein sont exposées, sont merveilleuses. Après, bon, il y a des accords, hein, entre tout ça n'est pas. On arrive quand même à s'entendre, plus ou moins, parce que je crois que pour le Parthénon, les Grecs n'arrêtent pas de demander le retour des marbres et les Anglais refusent. Donc, c'est des débats qui vous. Je suis sûr que vous verrez ça dans d'autres lieux. Et on va terminer, puisque. Il nous reste peu de temps, sur un dernier monument. Vous voyez, il y a beaucoup d'auteurs, alors vous n'êtes pas obligé de tout retenir, hein, je ne vais pas être trop... c'est souvent des monuments collectifs. Retenez, si vous en retenez qu'un, retenez Johann Bernhard Fischer von Erlach. Fischer von Erlach, car c'est vraiment... ce n'est pas le plus simple à prononcer, mais c'est le plus brillant de... Vous voyez, il y a un Italien aussi. Parce que c'est une œuvre collective, c'est la colonne de la peste, vous voyez, je parlais des pestes, hein. Il y en a eu à Venise, il y en a eu à Rome, il y en a eu aussi à Vienne, à différents moments du XVIIe siècle, et donc encore un ex-voto, cette fois-ci c'est pas une église, c'est un monument, une colonne monumentale qui va marquer le paysage urbain. Là on est dans quelque chose qu'on va aussi évoquer dans les cours suivants, qui est l'ordonnance des villes, l'ordonnance monarchique. L'ordonnance impériale, c'est-à-dire des places royales, des monuments phares, dans des lieux clés, sur des places. L'ordonnance des places elle-même, c'est l'ordre monarchique qui s'impose aux villes. Hein, pensez à, évidemment, ici à Paris, on verra la place des Victoires, la place Vendôme, qui était la place des Conquêtes, les places d'Henri IV. Ici, c'est donc un monument, vous voyez, et grande monumentalité qui évoque cette peste, mais aussi qui a une signification religieuse et politique, avec au sommet la Trinité, le Christ, le Père et le Saint-Esprit, doré. Donc il y a quand même l'idée religieuse aussi, les anges, donc un monument étagé, on a le divin tout en haut. Et en bas, on a plus le politique avec, vous voyez, l'empereur qui met sa couronne, enfin qui pose sa couronne et pour Dieu et pour le remercier de la fin de la peste et de son empire, avec un jeu de polychromie entre l'or et le marbre et surtout une importance symbolique, un monument à lire avec différents registres. Hein, je crois que j'ai mis encore des images, vous voyez, la piété, ce qui a permis aussi la fin de la pièce, c'est la piété de l'empereur, la foi qui chasse, vous voyez, l'impiété, ici, des reliefs, l'aspect narratif, tout ça, c'est ce qui est au pied du prince lui-même. Est-ce que j'ai... Non, ça, on va voir la semaine prochaine. Donc, on termine par le monument de la peste, Vienne, hein. Et on continuera sur l'Europe de l'Est, donc on parlera d'Ukraine et de Russie au prochain jour. Merci.